Wole Soyinka, le prix Nobel nigérian de littérature en 1986, a déclaré qu'il ne détruirait pas sa carte de résident aux États-Unis, la Green Card, malgré son engagement à le faire en cas d'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Dans une interview à l'hebdomadaire américain Newsweek, Soyinka a déclaré que la mentalité de Donald Trump pourrait faire perdre aux États-Unis les divers soutiens dans la lutte contre le terrorisme. Le célèbre écrivain avait promis la semaine dernière à l'université d'Oxford au Royaume-Uni qu'il détruirait sa green card tant prisée par les immigrants en cas de victoire de Donald Trump. L'homme d'affaires et ex-star de la télé-réalité a remporté des victoires dans les États clés pour s'imposer devant Hillary Clinton, sa rivale démocrate, pourtant plus expérimentée.